Bah, qu'est-ce que tu fais, Ouistiti? Je fais une réussite. Oui, non, mais je vois bien que tu fais une réussite, mais... qu'est-ce que tu fais avec ce masque-là sur un... Pourquoi t'as mis un masque? Parce que je pense à Tata Véro. Tu vois, j'ai sorti les cartes de Tata Véro. Oui, ce sont les jolies cartes que Tata Véro nous avait offertes. Oui, bah du coup, ça m'a fait penser à elle. Et tu sais, elle est infirmière. Oui, elle est infirmière. Elle leur apporte un masque tout le temps. Mais toi, t'es pas infirmier, hein. C'est pas la peine de mettre un masque. On va t'enlever ça. Elle est où? Qu'est-ce que c'est? Oh là! Oh. C'est pas agréable d'avoir un masque toute la journée. Bah, et pourquoi t'as mis des gants? Bah, je fais comme les infirmières. Mais t'es pas infirmière, allez. Et puis t'es confiné, tu risques rien à la maison. Puis en plus, t'es un singe. Hein, tu restes bien à la maison, comme moi. Ouais, d'accord. Ouais, je sais quand même. Je prends Tata Véro, l'infirmière. Elle va voir tous les malades. C'est difficile comme métier. Ouais, t'as raison. Et puis, je pense aussi à Sarah. Tu sais, Sarah? Oui, je sais, Sarah. Elle travaille en réanimation dans les hôpitaux, dans un hôpital. C'est très difficile comme travail. Elle voit des grands malades. Ben oui, ben dis donc, Ouistiti, j'ai l'impression qu'il faudrait te changer un petit peu les idées, toi. Je veux bien, parce que j'en ai un petit peu marre de jouer à la réussite. Ben, on va faire un boîte à heure, d'accord? Ouais, un bateau, oui, génial. Bon, d'accord, allez, on enlève ta réussite. On prépare des cartes pour toi. Des cartes pour moi. Alors, je ne sais pas si on voit bien les cartes. Elle est où, Lilou? Lilou! Ça va, ça, elle est où, Lilou? Lilou! Elle n'est pas là. Bon. Bon. Alors là, Ouistiti, on va faire un batawaf, mais avec deux cartes. Ouais, d'accord. C'est quoi un batawaf avec deux cartes? Bah, c'est-à-dire qu'au lieu de piocher une carte, tu pioches deux cartes. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Alors 10 et 2, 12, à toi. 7 et 7, 14. C'est moi qui ai gagné. Ouais, bon, je suis bon joueur. Vas-y, ramasse. À toi. Allez donc, t'es de bonne humeur aujourd'hui. Bah oui, c'est parce que je pense à tous ceux qui ont un travail très dur. Je me dis qu'il faut pas que je sois un mauvais joueur. Ah. 9. Non mais c'est à moi de compter. Hein? Alors, 4 et 5, 9. À toi. Malin, 9 et 1, 10, juste au-dessus de toi, c'est moi qui ai gagné. Ouais, c'est bien. On met sur ton papier. À toi. 3 et 5, 8. À toi. 4. Et 4, bah 8 aussi. Bon. Bon. On a tous les deux 8. Pourtant, on n'a pas les mêmes cartes. Bah oui, bah c'est ça les mathématiques. Hein. Ouais. Bah comment on fait? Alors on recouvre. Hein. Hop, 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 hop. Et la partie continue. Ouais. Bon. Allez.
Waouh, 10. Le super score. 6. Ouais, c'est, je sens que je vais gagner. Un petit peu peur. Ah, 10 aussi. Oh là là, pourvu qu'elle fasse moins de 6, pourvu qu'elle fasse moins de 6, pourvu qu'elle fasse... Tu triches pas. Ouais, 3, j'ai gagné. Eh, c'est bien, Wistiti, t'as gagné sans tricher. Ouais, c'est vrai. C'est bien, ça. Ouais, je suis content de moi. Parce que l'autre jour, tu sais, j'ai joué avec Lilou et j'ai triché au dé. C'était pas très sympa. Oui, c'est vrai, c'était pas très sympa. Bah là, tu sais, Lilou, j'ai pas triché. C'est bien, oui, Titi. C'est parce que je prends conscience de certaines choses. C'est bien, oui, Titi. J'ai entendu que tu pensais à Tata Véro, à Sarah et à tous les médecins. Moi aussi, j'y pense, tu sais. Et quand je serai grande, j'aimerais bien être médecin pour soigner les gens. Et toi aussi, t'aimerais bien peut-être. Oh, t'es jolie, Lilou, et t'es gentille. Ah ouais? Ouais.